que moi t'ai envie de tendre sur ça qui a passé sous pays à Jean pays aïe. Première question pour vous. Après Ariel finalement Jean Laléa qui s'est qui étonné tout le monde et puis nous venons vivre ça dans vivre là. Quelle lecture de ça qui a passé là? Merci. Bon, avant que me réponde question là ou dit permettre que moi saluer et en pile monde qui attendait là notamment et le secteur revendicatif Seria, les ouvriers, les travailleurs et monde qui na ghetto yo dans situation difficile yo qui était que moi saluer paysan yo qui abandonné à eux-mêmes et sans encadrement de l'état, sans compréhension même l'état qui était que moi saluer jeunesse pays à Jotia qui attendait nous là ou dit qui pas connaît à qui c'est pour adresser yo qui était que m'adresser à 410 000 moun qui déplacé quitter la caillou et je par contre qu'il est après tourner la caillou donc des moun qui quitter la caillou oui mal venir sur ça non yo par contre qu'il est après tourner la caillou et malheureusement près de 50 à 60% moun sa yo c'est des femmes et femmes enceintes c'est des femmes enceintes et des enfants excusez-moi mes enfants et moun yo di volume en bas. Je ne sais pas si je suis trop loin. Non. Il semble que je suis trop loin. D'accord. Merci. Merci. Donc, quitte que moi, du coup, et saluer tous les amis et concitoyens et concitoyennes nous, et frères avec ceux nous qui sont dans la diaspora, qui ont même tout à veiller qu'il est pour la caille bon pour retourner la caille. Parce que quand pile là-dedans yo qui là-bas nous connaît dans quelles conditions yo là-bas. Donc et pour répondre aux questions là et ou dit honnêtement c'est avec beaucoup de frustration parce que nous connaît qui pas d'engagement personnel professionnel que m'te gagné moins gagné dans question ça pour te goumer compte et présence Ariel qui devine que t'as dodomé là qui pensait qu'elle sortait non élection et que qui t'a commencé faire des ordres. Donc et on était capable de résumer comme ça. Plus ça change, plus c'est pareil. Et que c'est même pratique yo, c'est même des audios, même forme de clientélisme. C'est même brigandage yo. Il va checker pour formation gouvernement. Premièrement formation CP et après la formation gouvernement. Pas quelqu'un de monde qui te checker, pas quelqu'un secteur te checker. Et oui, parce que mon nom c'est mon petit Desaline. Oui, alors forme dit ça et pour nous connaître, yo te checker on était capable dit dès le premier temps et au sommet. Forme honnête que pour me dire que nom te mon yo te approché pour être premier ministre. Pour nous dire moi t'ai refusé catégoriquement et les preuves sont là. Les preuves sont là. Moi t'ai refusé catégoriquement parce que premièrement m'ai estimé que pas aucun gens pour un gouvernement que CARICOM monté dans condition de monter là et disons m'a parlé de CPTA conseil présidentiel là et par la suite et gens ont voulu monter et m'étais capable de venir avec question premier ministre là qui était pas le premier ministre qui était pas le contexte d'occupation nationale. M'était déjà ouais pas bail résultat. Et m'était refusé catégoriquement et m'était goumé en pile avec plusieurs secteurs. Mais est-ce que pas tout parti avec idée ça parce que moi te connais si me tromper moi dis moi tromper même me connais ou t'es corrigé Philippe. Non. Alors, bon m'expliquer, m'va expliquer question ça clair pour comprendre. Et pas oublier que dans contexte nous sortons dans initiative citoyenne pour une sortie de crise qui pral qui que gars et Ariel pral virer nous en haut. Et que yo pral relé nan un groupe qui relé réveil qui sont groupe qui gagne et qui gagne 2 3 4 et 100 de partis politiques de organisations de la société civile que nous t'a chercher solution parce que faut nous mettre bas là dans contexte pour nous comprendre nous t'a chercher solution comment pour nous sortir est-ce que c'est pour aller dans cour de cassation est-ce que qui ça pour nous faire et donc maintenant gagne une initiative que maintenant en aller à la cour de cassation, en nous prenant dans la société civile là et en nous prenant dans la société politique là pour que nous soyons capables de monter un pouvoir national. Et maintenant, étant donné que moi-même, toujours bail et nous sommes capables de dire logistique, bureau, espace, bureau,
pour toute activité sociale. Donc, sous mon bagage, on fait là. Bureau la température est bon. Ah oui. Au précoeur, il y a plus de monde qui te pensait bio, c'était bio petite Dessalines. Il y a des monde qui pensait bio, c'était bio syndical. Mais on est un gros membre, on est un gros membre petite Dessalines. Oui, pour ne pas dire. On est toujours la petite Dessalines. Mais c'est pour toi, m'a vini. Parce qu'il ne faut pas bombarder me côté avec des aujourd'hui. Parce que il y a des monde qui. Ok. Donc, pour question, bon, clarifier première question. C'est que moi-même, moi était clair. Que toute solution qui est capable de venir, solution nationale, solution haïtienne, moi-même, Evel Fofam, t'es embarqué là-dedans. Et c'est ça que fait. Puisque m'te baille local, moi, et donc, t'es un réseau d'organisation que nous-mêmes nous là-dedans, nous pral d'accord question à quoi 5 mars là. Et donc, un groupe, particulièrement, groupe privé là, ou même qui vini avec Guy Philippe. Donc, moi-même, lorsque yo vini la question ça, et c'était capable de dire la plus grande erreur que société a fait, il était résumé question en question de Guy Philippe. Alors que question était plus large que ça. Et moi, j'étais goumé, et les vidéos sont là, et les informations sont là, et que moi, j'étais goumé pour ne pas résumer question en question de Guy Philippe. Et c'est une question qui était plus large. Et le monde qui t'a fait ça, il était comme pour que ça t'a fait, c'était à dessein, parce que j'étais besoin de résumer en question de Guy Philippe, pour que j'étais bloqué. Alors que la question c'était. Aller nan, de manière institutionnelle pour un monde, parce que la constitution pas presque dit en la question, pour un monde dans le secteur, dans la société civile là, qui a une bonne réputation, et pour un monde dans le secteur politique là. Donc, dans le secteur politique. Pour mariage, pour président, premier ministre. Oui, exactement. Donc, malheureusement. Ça me dévoile tout. Malheureusement, oui, et c'est l'état bon pour le pays. Et malheureusement, et il y a des gens qui ne comprennent pas comme ça. Donc, maintenant, ça a passé, j'en le passé. Mais, par principe, mes petits paysans par principe m'étais toujours kembé question ça moi t'ai dit que solution doit être une solution nationale avec les forces vives de la nation avec et parti politique avec organisation société civile c'est nous qui pour bail Haïti solution donc moi répondre question ça c'est pas ton question de Guy Philippe c'était plus que ça donc t'es près de plus que décision plus que 3 à 400 organisations et sociopolitiques et organisations droit de l'homme parti politique donc maintenant quant à la question est-ce que même parti petit Dessalines alors là bon faire une clarification pour c'est moi nous pas même point de vue non non du tout pas dis tout pas écoutez. Là, on parle de petite Dessalines. Et mon nom, c'est un homme sérieux. Fondateur, supporteur, et avocat et autres. Je connais. Ok, attendez. Là, on parle de petite Dessalines. Il y a trois niveaux pour comprendre la question petite Dessalines. Où est la plateforme pour plateforme petite Dessalines. Il y a le mouvement petite Dessalines. Il y a le parti petite Dessalines. Et me tient à ce que mon capitaine de là yo comprenne très bien. Donc ou gen mouvement petit Dessalines qui sont bagay largement large et que moi-même me retrouve me là-dedans. Parce que depuis parler de mouvement petit Dessalines, donc les vini de grand discours Jean-Jacques Dessalines qui te vle que est-ce que ça y est même maman et papa yo en Afrique les noirs, les pauvres noirs, est-ce que yo même yo pas joine en rien? Vous comprenez très bien ça, oui. Donc, moi-même qui avocat ouvrier, qui avocat travailleur, qui avocat paysan, qui avocat groupe moun sa yo, m'pas te capable pa nan yon mouvement comme ça. Donc, lorsque en 2012, sénateur Moïse vini chercher m'nan biwom, li dim que mon cher, pour travail wap fè nan Savanolè, nan Nord-Est, avec les paysans que tapé se prente ou nan meyo, pour travail wap fè nan Oui, mais si vous l'avez invité dans une émission pour m'expliquer aux désordres qui passent dans le dossier ça. Et les Moïse Gadi, le travail que m'a fait dans Caracol, dans Côte de Vie avec ouvriers, les gardes ça m'a fait dans pas Caracol là, ok? Et que les ça m'a fait dans Sonapi avec ouvriers, n'a goumé, n'a organisé syndicat, etc. Les vins chercher. Et m'te dit très clairement que moi-même, m'se petit, yon paysan dans le sens vrai du terme. De dire attention moi même mes conditions pas et après en pile négociation que me devine d'accord pour nous regarder qui sont capable faire pour que nous t'ca structurer une idée un mouvement pour nous t'ca porter revendication massio pour nous t'ca porter revendication ouvrier pour nous t'ca porter revendication travailleur pour nous t'ca porter revendication paysan aujourd'hui qui pas de sécurité sociale qui pas gain encadrement l'état qui pas gain même compréhension ça m'était capable les structures organisées pays a yo pas gain ona yo pas gain fatma yo pas gain c'est
pouvez monter tout de suite. Ok, on avance. Oui, et je souhaitais que mon très bien. Oui. Donc, nous avons fait le distinguo. Donc, quelques secondes. Très bien. Mm-hmm. Nous avons fait le distinguo entre le mouvement Petite Dessalines, entre la plateforme Petite Dessalines et le parti Petite Dessalines que Moïse Jean-Charles lui-même l'a dirigé. Mais, il faut que moi clair ou dit. Moi te, ça c'est position PAM et la prêté comme petit paysan de principe. M'pap jamais vini dans micro radio pour me parler Moïse mal, pour me critiquer, même lorsque moi pas d'accord avec elle fondamentalement sur des points extrêmement importants. Mm-hmm. Parce que ou d'ici ma avec ou là et nous discuter un bagaille, nous on doit toujours pas d'accord ou pas joindre moi devant sur la place publique pour m'attaquer. Ouais. Pour m'attaquer ou bon modèle de politique. Bon modèle de politique ici qui fait comme ça, moi-même mes veulent faire balade. Balade. Mais faut me dire fondamentalement, nous gagnons des points de divergence énormes. Nous avons des points de côté capable dit de par contradiction par rapport à formation, Jean-Claude nous fait la petite dessaline entre la dedans. Et il y a un président, il y a un ministre là, mais le ministre de l'Agriculture, il y a un Bailly, le président, il y a un membre. C'est plus fondamental. C'est plus fondamental dans le c'est plus structurel. Par exemple, lorsque vous avez un mouvement de masse, vous me dire un mouvement de masse qui méritait une organisation, qui méritait une structuration, qui méritait une coordination. Mm-hmm. Parce que ça nous bait, nous fait nous en Haïti. Nous ratons tout grand événement, toute grande opportunité. Donc, le mouvement Petite Dessalines, ce n'est pas propriété privée de personne. Mouvement Petite Dessalines, c'est mouvement massio. Donc, ce n'est pas propriété personne. Et il faut nous faire très attention parce que des fois, nous quittons nous approprié comme si bagala c'est bien privé. Non, ce n'est pas ça. Mais généralement, c'est ça que fait. Oui, mais il y a un gourmet qui doit faire. Parce que l'on parle de mouvement. Petite Dessalines. Donc c'est mouvement revendication massio, c'est mouvement revendication ouvrier, c'est mouvement revendication paysan, c'est mouvement revendication moun qui a travail qui pas touché. C'est mouvement revendication policier qui a touché jodi a moins que 25 000 goudes comme salaire, pas moi. Donc moi-même moins clair, donc pour question pour question et formation et conseil et présidentiel et neuf tête neuf moun ki la, ma position a été claire. Ma première position c'était que nous pas qu'à quitter que c'est CARICOM qui décidait un élément de la souveraineté nationale. Décimer c'était une stupidité. C'était même un accro à l'histoire, c'était même un accro donc à mémoire en cette noyau. Mais nous faisons ça. OK, mais qu'on a nous arrivé là. Et donc, deuxième étape, moi t'ai pensé et m'ai conseillé pour que nous te rapatrier le processus. Comme nous t'ai dans un contexte difficile et que maintenant nous je nous formule pour que gagner un conseil présidentiel et m'ai conseillé yo pour que lorsque bagala nous y retourner vini bala sur le territoire national et que nous je nous entente entre nous. Premièrement, pour nous diminuer la quantité, parce que c'est très stupide, pour qu'il y ait 9 personnes qui ont dirigé un pays. Ça n'a aucun sens. Mm-hmm. Okay? Et que là-dedans, vous avez choisi, et moi-même, ça c'était ma position connue, là-dedans, vous avez entendu, vous avez choisi un président là-dedans. Et 8 autres qui étaient, vous avez constitué un modèle de parlement. Ouais, ça m'a donné un modèle de parlement pour surveiller, de côté des corrections, faire des propos. Modèle de parlement parce que nous n'avons pas de parlement. Mm-hmm. C'est ça que je t'ai proposé moi-même. Je dis rapatrier le processus là. Rapatrier processus là et nationalement. Mais États-Unis, pas la même. D'accord, mais c'est carré comme c'est job États-Unis, il t'a fait. Mais écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit. Mais est-ce que vous pensez que moi-même. Condition fort d'accord intervention. Ou changez ça. Mais ça. Pour moi, CPA. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Mais ça, là encore, c'était dans l'autre point de mais désaccord. Ça, c'est dans l'autre point de désaccord, bien que faut nous prendre question ça avec beaucoup de pincettes. Mm. Parce que à chaque fois, il y a parlé de intervention et que force, et que de l'autre côté, ouais, il y a un problème sur le territoire national de mon armée. Ouais, me fait attention, me pas dit gang, me dit mon armée. Des gens qui ont des armes dans les mains. Donc, il faut nous faire très attention pour, comme si pour nous ne pas porter un amalgame. Comme si tout le monde qui compte intervention, c'est des gens qui ont supporté gang. Il faut nous faire très attention avec question ça. Mais même, ma position était très claire. Moi, compte donc toute forme d'occupation du territoire de la République parce que la Constitution interdit
et nous font action contre le gouvernement d'Ariel directement contre action ça. Et pendant n'a parlé là nous avons action qui a organisé contre et nous t'es capable de dire le CPTA contre le gouvernement qui l'a et contre le parti politique ça qui était signé des autres ça. Nous très clair là-dessus. Nous faisons action contre eux pour crime de haute trahison. Ok? Même si je veux dire le bagage sud, vous pensez qu'on l'a servi. Mais même pour la morale politique, même pour l'histoire, il faut que vous connaissiez des gens qui te prennent responsabilité à un temps donné dans ce pays et vous avez fait ça que vous avez fait. Donc, pour me répondre sur la question. Et formation gouvernement, formation et question ministérielle, la position de M. Evel Fanfan, c'est une position qui est publique, pas d'accord, et à tout groupe, nous gourmets pour nous dire non, nous ne pouvons pas rentrer dans des autres, ça, parce que les pas bail résultat. Donc, pour question qui a un rapport avec force, ma position était très claire. Nous te dit, moun qui mettait du feu dans Kaila, les pas capable, c'est lui-même qui vient faire pompier. Et moi te chita sous la résolution 6325 des Nations Unies qui constate que zam qui gen la yo kap simé la troublai nan pays ya 97% la dan yo c'est rapport qui dit lui m'a répété rapport c'est les États-Unis qui bay yo avec République Dominicaine yo passé République Dominicaine et il dit dans rapport d'expert là dans résolution yo mandé les États-Unis yo mandé le Canada et l'autre yo pour yo suspendre va alimenter Haïti en armes et munitions. Donc yo pas répondre donc à cette résolution des Nations Unies au lieu de répondre à cette résolution donc on y a bluffé nous à prendre des trois policiers Kenya pour diable jodi là et de garder pour elle donc nous pas regarder question ça parce que et pas oublier que nous travaillons avec Ekuru Aukot qui c'est en quelque sorte chef opposition kenyane. OK? Donc Abgoumé, donc je dis pendant ma parole avec vous là, je me demande. Est-ce que la facile pour policiers ça yo? Je n'ai rien contre ces pauvres policiers qui sont là. Est-ce que la facile pour retourner la caillou? Parce que regardez ça qui a passé Kenya jodi là. Il y a des gens qui ont besoin. Ah oui, gros tonton de blosaï. Donc attendez. Moi crois que la question de la sécurité nationale sont éléments pour nous garder avec beaucoup de responsabilité aussi. Donc je dis pour qui ça? N'a pas les deux forces étrangères qui pouvaient venir avoir une bonne sécurité, alors que de l'autre côté, nous mettons nous d'accord pour nous pas gagner l'armée d'Haïti, pour nous pas renforcer la police que nous avons là, sous dictée les États-Unis. Nous avons mis CPTA, venez expliquer comment je dis à nous d'accord pour que nous signions un document, pour que nous force qui gagne des armes dans elle, qui gagne ou bien police ou bien l'armée là dans le vini sous dans pays hein, et nous d'accord que nous même nous pas gagne droit gagner ni renforcement police là nous pas gagne droit ni mettre renforcer l'armée. Un devoir premier ministre lui dit que c'est police haïtienne n'est pas le gourmet. Oui mais là moi je pense que c'est une irresponsabilité son communication et qui nous capable dit qui pas cadré du tout, qui pas cadré du tout avec notre réalité, parce que l'ordre de police international a béni au besoin. Oui, mais il confirme ça que moi dit depuis bien avant, depuis je crois le mois de décembre. Que nous avons des problèmes. Oui, parce que écoutez, problème non c'était moi t'ai dit et les vidéos sont là. Moi t'ai dit que problème haïtien. Si nous résoudons, si nous répondons, si les États-Unis, le Canada et autres, nous répondons à la résolution 63-25, le problème est résolu à 60%. Parce que nous avons des armes là, s'il pas assuré que la jeune munition ou dit, donc les n'a pas voulu dire rien. Donc si nous mettons l'ordre dans la douane, dans la frontière, et que les États-Unis d'accord pour suspendre, alimenter le pays en armes et munitions, le problème est à résoudre. À 60%. Donc reste problème dans Kounia, c'est mettre l'ordre dans l'état parce que vrai gang non c'est pas tes messieurs qui n'ont pas capable de gravine non. Vrai gang non c'est pas la pli. Oui, nous on ça déjà même si next on mourir bien de place. Voilà. Donc vrai gang non sont l'état qui convertit en gang jodi a. Parce que l'état gagne un intérêt et c'est ça qui fait noter parce que ma faut parenthèse m'expliquer ou dit. Est-ce qu'on connaît nous fait deux journées de travail avec le premier ministre Ariel Henry et m'a cité des noms de Mouna parce que c'est bien et c'était et était capable dire c'était novembre 2000 avant d'y aller novembre 2023 c'était moi-même
et pasteur et Demero et pasteur Exantus Sylvain. C'est dans cadre question initiative citoyenne pour dire comment pour nous porter la paix dans pays. Il faut nous faire bagaille. Donc pour nous tourner et avec l'ordre constitutionnel. Et nous rencontrer premier ministre, c'était un mercredi nous rencontrer lui et nous commencer poser des problèmes. Et n'a dit mais que des bagailles qui t'a dû faire. On nous engager mairie, on nous engager et police municipale, on nous engager société et nous commencer poser des questions, on monter des task force etc. etc. Et c'est pour pas comprendre nous dit. Non, là nous dit premier ministre, nous commençons à parler profondément et premier ministre va le bluffer nous. Il est chef cabinet qui était là. Et il dit chef cabinet a qui réunion gain pour demain en jeudi. Il dit ah, on paquet réunion, il dit cancel toute réunion que les gagner et il t'a voulu continuer parler avec nous. On dit l'aime tant nos bagages comme ça de un premier ministre. Moi content. Donc moi que m'a utile et à la République, à mon pays, à ma patrie. Nous tournons vrai, nous font journée de travail. Non mercredi, nous font journée de travail. Non, jeudi avec premier ministre là et ou dit on va saisir pour moi combien haïtien pas respecter tête yo pas respecter moun yo pas respecter pays là les nous tourner dans jeudi nous font journée de travail et puis il recevra nous vraiment oui il recevra nous dans jeudi belle bagaille et puis les bail la fini yo te fait un bail pour nous pour manger mais même ton petit genre paye question à faire manger bail comme ça et puis et premier ministre là et il relève moi les moins et puis il dit bon ça m'a dit là m'obligé dit pour payer à connait pour montrer dans quel niveau nous pas respecter pays à et puis il dit tendez non gagne un bon cob qui là oui et pour question renseignement bah comme ça on ta font ta bon oui font ta bon un petit projet bah comme ça ils ont 10 à 15 millions de gouttes bah comme ça et puis lire les chaque dans nous lire les pasteur Sylvain dit mais bah là lire les pasteur Demiro dit le même bagaille là et puis Monsieur, belle tabac son fin de faire. Oui, donc. Monsieur, mais son paquet, il prend nous pour un paquet à Bolotio. Et puis, mettez deux mains dans la tête, moi. Je dis, pasteur Exantis, c'est pas possible. Et puis, les messieurs, ils me fâchent. Et puis, vous, pasteur Exantis, c'est un monde qui est très sage. Il a dit, mais faut. Il a dit, posez. Et puis, je m'estime comme si nous faisons des choses pour sécurité, pour pays, pour nous avancer. Et puis, les traduire comme un travail payant. Pour le corrompre nous, les dit bah un petit projet. Nous dit négatif. Moi dit négatif. Nous dit si nous fait ça, n'apparaît comme le pire des abolitions de la République et pays a ne conscience nous pral payer ça. Et depuis le ça, m'a pour net avoir, nous sorti un queue de poisson et avec PM non, avec premier ministre et nous sorti et moi dit l'aime river sous la croix. Moi dit m'pral goumer contre monsieur ça qui relé Ariel Henry parce que c'est pas possible pour que n'a essayé discuter pour nous comment pour nous sortir donc de l'insécurité alors que monsieur là il gon paquet l'argent qu'il a pour question renseignement yo pas bailli gon paquet l'argent qu'il a pour la police yo pas bailli gon paquet l'argent qu'il a pour une série de unités et bail qui fait dans question sécurité pour communio etc. yo pas bailli et puis connait yo prend l'argent ça yo pour yo corrompre des voix revendicative qui a parlé dans pays en pile monde. Donc là moi bagaille ça yo connait là me dit ah m'a regarder structure l'état moi dit ah faut moi faire très attention avec question l'état en Haïti parce que et comme si moi automatiquement moun yo rentre dans l'état yo perdu le bon sens yo perdu la rationalité yo perdu le sens collectif et de pays de bien pays de intérêt pays et qu'on a son question de ti intérêt mesqué en question de ti intérêt de groupe donc malheureusement et nous pral goumen nous connaît tout engagement que me prend pour nous goumen contre Ariel Henry et me pral dit encore et pour nous pas rentrer dans la question gouvernement ça qui t'a pral venir là nous te fait nous porte-parole donc ensemble de organisations ça qui t'a monté un cahier de charge et des propositions du secteur revendicatif haïtien que nous voyons. Ça me bat tout là le conseil présidentiel là tout le monde joine pour là ou dit ouais version ça m'a voyé une pour là tout le monde dans conseil là joine tout le monde net ou accusé de réception tout net voilà tout le monde net non seulement nous voyons le bail conseil là nous voyons le bail parti politique côté même ça yo te désir yo bail tout net voilà ça c'est Bertilet tout net ouais ça c'est Bertilet ouais, ça c'est Laurent ça c'est Laurent Saint-Cyr ok ça c'est Fritz Jean yo tout Johnny voilà c'est Smith Augustin
Ça c'est Louis Gérald Gilles qui est là. Donc nous, ça c'est Frinel Joseph que nous voyons le bail. Ça c'est Edgar Leblanc en sa qualité de président du conseil. Mm-hmm. C'est Gary Coney. Qui ça nous dit dans le document ça? Ça peut être extrêmement important pour t'en dire. Nous faisons constat que chaque fois que le gouvernement peut monter, un groupe de Aoussa dans le pays, nous sommes capables de dire dans le secteur soi-disant organisé, que ce soit syndical, que ce soit dans les droits humains, que ce soit dans le groupe, qui a comme si il prend le pouvoir en otage. Mais il prend en otage, alors pour qui ça prend en otage, ou dit? Pas pour y résoudre problème collectif société, mais pour y résoudre propre petit problème personnel par yo, le problème de groupe. Maintenant nous dit nous réunis tout groupe ça yo, nous réunis tout groupe ça yo, syndicats, ouvriers, paysans, etc. Nous réunis tout qui là, voilà, doit moun ouais, tout qui là, que ce soit syndicat qui dans secteur et dans fonction publique là, nous réunis tout ensemble. Nous réunis tout comité ouvrier qui sont dans tout pays, qui dans Port-au-Prince, qui dans Nord-Est, qui Caracol, qui Wanamed, etc. Nous réunis tout, ouais, c'est tout qui ciel. Nous réunis par exemple pour une organisation ça. C'est association des agents de sécurité professionnelle qui gagne tout agent sécurité au là-dedans. Mm-hmm. Nous prenons tout groupe ça yo, ok? Nous prenons tout groupe ça yo. Donc tu vois, donc c'est beaucoup aussi. Mm-hmm. Nous prenons tout groupe ça yo. Nous voyons cahier de charge. Qu'est-ce qu'un cahier de charge là? Nous faisons des constats problématiques. Nous dit par exemple si on prend le ministère des Affaires sociales et du travail. C'est un ministère tant qu'on dans 20 dernières années qui sont passées là yo qui résume tant qu'un petit ministère de réception et de livraison de chèques. Mm-hmm. Alors que ce ministère devrait être c'est pour corruption. C'est absolument. Oui, ouais. Écoutez. Ce ministère qui devrait être le premier des ministères et le plus grand des ministères Affaires sociales. Absolument. Et nous dit ça dans le document. Et nous dit et que mes profils moun nous pas dit c'est nous pour mettre là dans nous pas dit qui moun non nous dit mais qui profil moun qui t'a devenir ministre des affaires sociales nous dit son moun d'abord qui doit connaître l'état qui son moun qui gagne une connaissance de fonctionnement secteur ouvrier syndicat donc et tout groupe qui dans pays à jeune etc etc et nous dit et que moun ça mais ça t'a doit bailler tête li comme mission. Faut pas venir rentrer dans le ministère là pour venir continuer élan de corruption, de vagabondage, une série de bagarres. Mais société civile là ou bailli? Oui, mais on parle où est ça qui va? C'est GDO ça qui gagne ministère. On parle où est ça qui va arriver. Donc là nous va faire intervention sur question ça pour nous clair et nous charrier toute revendication ouvrier, travailleur, etc. Après là, regardez tout net nous mettez. Nous mettez par exemple, nous prend la direction du travail. Direction sa gon dame qui nan tete depuis plus de 15 ans. Pas qu'on jamb gon dossier qui rive nan direction. Ça, c'est la plus grande des directions de ce ministère. Moi-même, depuis l'air que me connais, depuis l'air que me connais, dame sa arrive nan tete direction ça, pas jamb gon une revendication ouvrier que le supporte. Il va faire un bac d'ouvrier, il a toujours un bac de patron. Et c'est très grave. Et que nous posons problème ça yo, et nous dit, ensemble de groupe ça yo que nous voyons là, y compris Petite Dessalines. Mm-hmm. Y compris Petite Dessalines, nous dit que faut que nous adresser problème ça yo, gros problème de blocage, gros problème d'incompréhension, gros problème de méchanceté qui a fait dans le ministère là, contre ouvriers yo, contre travailleurs yo, contre agents sécurité yo, donc contre des mondes dans la société a que yo même yo appelé pour yo vinn servir. Mm-hmm. Et moi qu'a prendre des cas pratiques. Si vous prenez le cas de 1000 combien ouvriers de Horizon, si vous prenez le cas de ouvriers de CISA, sous prendre le cas des ouvriers de 2000 ouvriers de Val d'Or et autres, dames ça sont péripéties, c'est goumen avec pour que nous te forcer la main pour que l'ité prend une décision en faveur ouvriers ça yo. Donc les nous poser tout problème ça yo, nous poser problème bois, problème inspection du travail qui pas gagne aujourd'hui dans le pays, hein? OK? Moi, et nous poser problème programme d'assistance et d'accompagnement aux ouvriers et travailleurs. Tendez où dit. En 2022, nous font goumer ouvriers et travailleurs, nous font goumer et nous forcer et premier ministre Ariel Henry mettre dans budget donc yon l'argent pour accompagner ouvriers avec travailleurs. Et m'pral dou bagala ou dit ou quoi c'est pas vrai ça m'pral dit là. Et ou ka fait enquête pa ou. Gè près de 26 milliards de gourdes
qui allait dans budget a pour yoter accompagner ouvriers et travailleurs qui en difficulté dans l'argent saoudien. M'a prend un exemple, par exemple Caracol. On ça nèg yo permettre yo faire. Yo prend des DJ, yo fait ouvriers yo vini. Ouais, m'a parlé là de 26 milliards de gourdes en pile l'argent. En pile l'argent. Yo prend des DJ, yo mettez musique, yo fait ouvriers danser. Et ça s'arrête là. Non pas ton prince. Yo fait yon magou, yo font amalgame, yo détourner l'argent. Et ça qui pire, qui pire dur dans question. Dans près de 26 milliards de gourdes là, yo arrivé dépenser dans des conditions très peu orthodoxes environ 5 milliards de gourdes, qui environ 21 à 22 milliards de gourdes qui étaient dans le budget, qui pas dépensé. Alors que ouvrier a mangé wash dans le pays. Ouvrier a mangé fatra dans le pays. Agent sécurité a mangé fatra dans le pays. Donc, comprenez bien le modèle l'État ou gen jodi a dans le pays. Oui, donc, l'agent a près de 22 milliards de gourdes rete là. Il n'est pas utile ouvrier. Il n'est pas utile travailleur qui dans le pays. Il n'est pas utile et paysan. Et il y a une compréhension que le ministère a dit, par exemple, il dit que vous partez dans l'agent pour t'aider maman, papa, petit pour faire bail rentrer l'école. Vous avez ça vous avez comme justification qui fait pas bail. Vous n'avez pas de mon cash. Mais dit comment ministère ka permettre pour vous dire que moun yo pa gen mon cash alors que you ministère ou prend deux trois jeunes qui dans pays là aller dans les écoles ou récupérer et ti moun l'école yo ou récupérer moun yo de te ka faire des réunions direct avec moun yo donc pour prendre numéro téléphone yo si moun n'a pa gen mon cash c'est automatiquement gen des groupes qui là donc qui appliquer pour lui pour question mon cash. Donc, même modèle l'État, je dis à nous devant, donc près de 22 milliards de gouttes, rete non budget qui pas dépensé, yo pas supporté moun yo, yo pas aidé moun yo, et le pire de tout ça, matin, te gon discussion avec une moun qui nan l'État là, je dis à la, et c'est même problème nan pose l. La dit, oui, faut que nous tonne. Moi dit, c'est 18 mois nous gè là, mais nous partis là pour presque 4 mois. Nous gè le condition mandat 5 ans nous gè nan men nous là. Nous avons passé son mandat de 10 ans et que je dis au premier ministre qu'on n'a qu'à pas oiser, ok? Pendant pays en bas cyclone, en tout cyclone de toutes sortes, ou gon cyclone qui là, ou gon situation d'insécurité, ou gon situation humanitaire, ou gon situation de grand goût, ou gon situation de misère. Et je dis à, ou gon premier ministre qui devrait chita là pour que n'a cherché solution pour pays, non qui s'en est gueulé aujourd'hui, je dis à, c'est dans Goumen, c'est dans Chirépite. C'est non qu'on est là chaque on a goumé qu'on est que on invite et conseil a dit que c'est le 1er juillet il vient notre premier match avec le premier ministre pas là mais lui même officiellement il va rendre bagaille comme ça c'est dans ça on est. Oui mais là nous arriver là qu'on a demandé conseil à lui même comment le faire pour choisir le premier ministre comme ça. Pourquoi pas faire pour pas passer dans tête. Il prend le blanc bois cathédrale. Ah oui mais qu'on est là. Oui qu'on est soit très bien mais attendez là on prend le blanc bois cathédrale là ça. Ça pour faire pour payer, c'est démissionner. À 2h du matin. Parce que si vous prenez un blanc, bon cathédrale, tu as l'air comme ça là, vous avez un pays. Ah non? Et c'est pour ça, avant hier, moi, t'ai fait un poste que me dit c'est dommage pour Haïti, c'est dommage pour le peuple haïtien, pour que c'est Petite Dessaline, c'est Famille Lavalas, c'est OPL, et tout groupe, yo, t'as bien, oui? Qui cabaye nous sage aujourd'hui comme pouvoir. Qui cabaye peuple haïtien dernier coup de couteau dans tout ça. Mais moun sa ou parle là, moun sa ou fini. C'est pas une alternative. Yo là toujours dans figure moun. Mais population pas connait nous. Son pas moun fini. Oui, mais et c'est ça que faut y a pour moi pour rentrer dans baïsa ou même. C'est parce que on connait au fini. Oui, mais écoutez. C'est alternative qui pas gagner. Mais Petite Dessaline famille là là soit parlé à OPL, c'est des partis politiques finis. Oui mais je pensais que fini par son monde encore. Et je crois que faut nous garder question alternative là dans plusieurs niveaux. Ou dit me fait des groupes depuis 2002 m'avocat dans pays là. M'a suivre question droit monde, m'a suivre question social yo, m'a suivre question politique yo. Je pensais grand pile alternative. Mais pays a pas prêt pour changement. C'est très important ça me dit là. Parce que grand pile monde t'a déjà parlé là, yo pas prêt pour changement. Parce que, il y a des parler comme ça, ou dit, l'aime parler avec eux. Comme ça, ils tentative de faire ou dit. Et comme si, ils auraient l'eau vini. Mais pas l'eau vini pour qu'ils aient des charges, travailleurs, ouvriers, puis le bon ça, non? Vini ou même.
pour capable jouer un outil avantage personnel pour qu'à faire mes bouches comme si ou à parler c'est parce que bouche pas gain zèb même vidéo attention moi me relever le pampan et pas parce que me pas gain zèb moi même dans bouche moi parce que moi même zèb pas non c'est moi qui taille c'est mettre dans bouche moi me c'est avocat me sont professionnel qui réussit me sont monde pour côté me sorti pays a fait toute sa qualité doit faire pour moi alpha nous clair et dernièrement moi dis au camarade ça me c'est avocat syndicat ONA depuis 2009 ou passer des graphes ou passer tout jusqu'à Chesnel. Très bien. Chesnel, c'est ton bon ami. Il était bon ami voisin, il est toujours connu la caille et li, avant il mourir et un an deux ans avant ça, il vient la caille moi. En clair avant. Et il te dit moi fanfan, mais tout monde a fait prêt, on a essayé demander l'argent prêté dans l'état. J'étais très clair. On dit fais attention. L'argent qui dans ONA, c'est pas l'argent nous, c'est l'argent ouvrier. C'est là que je travaille. Mais regarde, tu fais là tout le temps. Ah oui, mais moi, dis, non, me fais une proposition comme ça dans le cahier de change. Là, nous posons comme problème. Je dis, je ne saurais comprendre comment et que l'agent ouvrier, l'agent travailleur, redit pour que le mette dans ONA. Et je dis à l'agent, ça a gagoté dans des anciens parlementaires, l'a gagoté dans des anciens et sénateurs, des anciens députés, des anciens ministres, des anciens mon directeur général. Qui ont même passé dans l'État et ont ramassé toute l'argent ça yo, ils ont mis l'en bas yo. Ça c'est inacceptable. Donc moi je pensais que je disais n'a parlé de alternative. Faut que nous même tout ou font gros travail. Même penser faut que travail là faut nous parler un peu de méthodologie. Parce que ken vle ken pa vle nous pas qu'à quitter Haïti comme ça. Et je dis nous besoin des hommes. Mais c'est petit Haïti qui d'accord comme ça. Oui, mais bah, honnête. Yeah. Non, mais petit Haïti d'accord ou que Haïti c'est état ça voulait. Gon bagay pour comprendre nous. Go paquet moun ki la avec question construction canal la grand pile moun ke me découvri dans pays a qui c'est des faux moun et ça fait grand poste me fait là qui ba un pile problème me dit Haïti besoin des moun ki pi authentique est-ce qu'on connaît que dans bagay canal construction canal la moi rend compte en Haïti ou dit et c'est ça m'a dit la très dur très douloureux et me connaît très dangereux en pile parti politique ici des connivences avec la République dominicaine par rapport à la question de production nationale. Et pas gagne une partie ça yo. Si on arrive au pouvoir, nous ka parler de production nationale parce que c'est la République dominicaine qui finance. C'est la mafia de la République dominicaine qui finance yo. Et maintenant, mafia ça yo, c'est des mafias qui n'ont question production nationale la caillou. Et puis on essaie de produire pour nous tout. Absolument. Donc si a produit pour nous, donc on pas besoin de produire ici. Donc la question de la souveraineté nationale qui répondent dans trois éléments la souveraineté sociale et c'est extrêmement important mais oui monsieur pour nous garder ça parce que là parler de souveraineté nationale donc il parlait la souveraineté dans le sens de la représentation ou dit mais on pas garder souveraineté à de quoi les constituer les composer les composer d'abord de la souveraineté sociale. Souveraineté sociale à qui ça lié ou dit c'est Jean moi-même avant nous d'accord nous mettre nous ensemble culture nous gens pour nous vivre nous bon accord pour nous vivre l'un à côté de l'autre jodi a accord ça ou dit accord ça craser donc faut nous suspendre parce que jodi a sous prend question parti politique qui armé monsieur qui que nous relé gang yo sous prend des partis politiques que tout le monde connaît donc gen un désaccord dans notre souveraineté sociale ça veut dire gens pour nous d'accord pour nous vivre l'un à côté de l'autre dans la paix et dans la tranquillité pour le bonheur. Donc je dis, l'autre des partis politiques qui armaient des mouns pour y mettre dehors près de 410 000 mouns et plus. Pour y mettre contre nous là. Donc je dis, il faut nous genou entente dans mitan nous pour que nous définissions comment nous voulons vivre les 50 ans, les 100 années qui viennent. C'est ça qui l'a moi dénoncé le d'ailleurs et c'est nabaï qui fait que me pas de les rentrer et moi songé on leur bonne caprelé oui mais pas font un bon ministre justice me dit écoutez. Je ne suis pas ministre de justice dans l'obéi qu'il a parce que il y a deux champs importants qu'il a en termes de justice immédiate. Premièrement, c'est la question de la question de la sécurité parce que c'est le ministère de la justice et de la sécurité publique, le premier des biens publics. Je dis que c'est la question de la et qui a deux volets là-dedans. Il y a des gens qui ont des gens qui baillent aux amnés. Et les gens qui baillent aux amnés, il y a un rapport d'experts des Nations Unies qui bel et bien établi. À preuve, à l'appui, et qui liste yo qui dit mais qui moun yo. Donc, si qu'on est là, moi même, il faut qu'on t'appelle une ministre de la justice. Premièrement, il faut qu'on résoudre le problème insécuritaire dans le sens de ce qui est amené. Mais de l'autre côté, il faut nous arrêter tout le monde, généralement quelconque, qui est impliqué dans le bail. Et pas impliqué.
qui auteur, co-auteur, complice, qui pas impliqué. Parce que l'on dit impliqué ou diminué bah là. C'est des partis politiques qui baillent moun yo zam, qui armer quartier populaire. Des jeunes femmes, des jeunes garçons. Tu sais que tu as avec la donne. Qui, ah oui, mais tout le monde sait, tu as mérité. Je me dis, comment moi-même, nous t'avons par exemple, nous t'avons une ministre de justice, nous t'avons rentré dans le bureau, et que jeudi, à rentré dans le bureau, m'a regardé tout jeune garçon qui t'a dû dans l'université, qui t'a dû l'école, qui t'a dû apprendre médecin, qui médecine, qui t'a dû apprendre avocat. Et puis jeudi, pour m'ta nous mettre des âmes dans le bureau, pour faire qui ça? Pour yo détruire le pays. Et au détruire. Yo détruit pays, alors nous d'accord que nous t'avons d'accord ministre justice dans telle condition. Donc maintenant, je dis, moi je pense que vous t'avez un commissaire gouvernement que vous t'avez nommé là, et puis qui t'a metté action publique en branle. Déjà fermé. Nous voyons ce qu'on est. Déjà fermé. Et tout le monde vous t'avez arrêté, vous t'avez metté en prison et vous t'avez poursuivi pour ça vous fait de acte de trahison pour avoir détruit la république pour mettre pays à genoux dans niveau que vous mettez la genoux là aujourd'hui. Donc moi pensais ou dit nous avons responsabilité pour nous réorganiser nous pour nous adapter compréhension nous à cette nouvelle réalité aujourd'hui parce que aujourd'hui la classe politique ça montre nous yo complice de ça que nous aujourd'hui yo montre nous que yo pas gain suffisamment de grandeur et de hauteur pour yo mettre à la dimension de problème pays à aujourd'hui. On avance. Mette Belfanfan, c'est un monde que je connais qui mêle la revendication du peuple. Vous faites bataille avec ouvrier tout dernièrement là. Vous faites bataille pour ouvrier, vous faites bataille salaire minimum, vous faites une bonne bataille pour faire. Puis on ne fait pas jamais de voir le comportement digital avec les clients en Haïti. Les gens montent pour bailler, les gens veulent, les veulent, les gens bibito. Pas un monde qui dit ouais, chaque fois pas dit ouais tout dans dossier ça. Ah, ou font mauvaise lecture ou dit. Bon, Moi, qui provoquait la chute de Haïtel. Oui, la chute de Haïtel. Donc maintenant, nous avons le gourmet que nous faisons contre la Digicel. Nous faisons le gourmet et que contre question et gens, yo traité clientèle, consommateur. Nous faisons le gourmet et pour que nous casser, pour nous casser monopole là. Parce que gon monopole enragé à outrance dans pays. C'est monopole qui veut la faire ça. C'est absolument. Alors gon monopole non, mais gen des côtés dans gen des pays côté gen monopole mais ou gagner l'état comme arbitre. Jodi a ou kon sa fait l'état, yo paye tout nèg net. Et ça m'a dit là, tout nèg qui dans on est capable dire dans secteur communication, Konatel et autres, c'est-à-dire tout ministère qui gen rapport, tout c'est des monde fait une enquête pour ou dit. C'est des monde qui payé pour ne pas parler. C'est des monde qui acheté. Donc moi mais un gros gourmet et même m'bra pou ti m'bra chercher vidéo ça pour ba ou. Oui, population bonne. Attendez, même gen une vidéo que moi dernièrement sur YouTube là, côté que nous te font manifestation devant Digicel. Pour te Digicel, c'est pas possible et que ou vini dans pays, ou vini dans pays, mais m'bra dou bagala parce que qui est extrêmement important. Et pas oublier que monsieur O'Brien que ou est là monsieur Islandais. Oui, qui propriétaire et qui sur ça. Donc et faut nous dire bien c'est nous gain les gain seul qui est Natasha O'Brien, son monde me connaît très bien. Parce que les moi était à Bruxelles pour une formation dans question sécurité et que il était ou connaît c'était frontline ou connaît et O'Brien c'est fondateur de Frontline International, son organisation de monde qui supportait des choses. Donc MSOG et Younle nous te fait un mouvement contre Digicel et Natasha m'a écrit et comme si bah l'arrivée et quand tu m'as dit écoutez je suis toujours le même Evel Fanfan et que lorsque m'a défendre des causes m'a pas état d'âme. Je ne sais pas qui est qui devant moi, je ne sais pas si son ami ou son ennemi. Lorsque je défends des causes, donc surtout qui ont rapport avec la société, donc je ne sais pas rien comme état d'âme. Et elle était d'accord avec moi.
on dit ça dit c'est la fait dans pays là, il pas qu'à faire en Irlande. Il pas qu'à faire là, il pas qu'à faire là Jamaïque. Non, on dit il pas qu'à oser faire en Irlande la caillou, il pas qu'à venir faire boy ici là comme si Digicel là sont l'état dans l'état. Et problème non c'est parce que zami camarade qui vient diriger nous yo. Pardon ça me pral dit là, moi respecter moun. Son paquet terre à terre que yoyé. 10 good étonné yo. 25 good fait n'importe qui bagaille. Ça pas tout là ou dit. Ou connaît que gen en pile réserve que me gen ou dit. Mais gen des bagaille moi connaît m'tendi dans dernier jour ça. Gen des bagaille moi connaît dans dernier jour ça yo. Solution nous pas pour demain. Et nous sommes les mensonges politiques, une question que me dépose un professeur, m'a regardé me la pour passer des que nous tout connaît. Me demandé est-ce que des dirigeants sous-développés qu'a dirige qu'a développer un pays. Donc là prend des monde qui pas habitué avec des $300, qui pas habitué avec un demi-million de dollars. Et puis demain matin les chefs. Aucun premier réflexe. Premier nèg qui parlait de 2 millions d'avec la tête li bousillé. Moi même moi pensais dans nouvelle génération. Dans exemple pour pas bon, là on la mode. On nèg qui grand nèg. C'est l'exception à la règle. Mais qui ça le fait? Son exception à la règle. Parce que nèg qui tendez bien ça Abdoulala, mais je dis à faut nous clair. On nèg par exemple, c'est premier, c'est non poste lié li tendez à parler des discussions des millions ou dit. Premier réflexe li, c'est ramasser pour la caille avec pour le mettre de côté. Donc moi d'accord exemple pour venir avec question Laurent Lamotte là qui c'est l'exception qui confirme la règle en quelque sorte. Mais Laurent c'est pour nous une forme de déception de ce secteur, de ce groupe bien entendu. Donc moi même moi quoi aujourd'hui m'ta petit pour nous repenser question hein, pour nous repenser le leadership haïtien, pour nous repenser la citoyenneté haïtienne, pour nous repenser donc qui ça nous voulait. Parce que aujourd'hui moi pas qu'à comprendre ou dit. Et comme si premier ministre Gary Conille voyager et puis l'état a tout voyagé tout. Par contre, tout senti ça m'dou là. Donc pas gain l'état, pas gain rien qui marche dans pays là. Quel que soit n'importe monde parle avant là ou parle avec lui dit bon, PM n'est pas là. Donc quand tant PM n'est fini. Donc quel que soit ministre ou t'a parlé avec là, bon PM n'est pas là. Donc non mais faut nous prendre des décisions sur question sécurité, bon PM n'est pas là. Quel on nous prend des mesures sur question ouvrier yo, sur travailleur yo, sur jodi a ouvrier qui a perdu job yo, yo dit bon PM n'est pas là et comme si c'est il revient seul. OPM à lui seul et uniquement pour prendre les décisions. Non, pas d'équipe. Et là, m'a questionné structure l'État, m'a questionné Jean l'État a monté. Est-ce que le cabal résultat? Faut nous garder ça tout oui ou dit. Ça veut dire que la structure normative de l'État. Donc j'ai construit l'État aujourd'hui là parce que dernièrement, m'a parlé avec un directeur, nous t'as regardé une situation. Il dit mais maître Fanfan et que Jean l'État a monté hein. Premièrement, yo monte l'on jan de pour rentrer là-dedans, c'est voler pour venir voler. On dit sauf que, gede moun ka rentrer là-dedans, li pa voler. Parce que faut qu'on prédisposition pour voler. Yo dou se gare. Oui, donc, alors, son forme de corruption d'esprit, tous les nègres là-dedans. On dit non. On dit, gede moun ki rentre dans l'État, et m'pa vle faire publicité pour personne. Mais c'est une évidence. Magistrat Wilson, je dis rentrer en de question, li retire l'école. Et m'bral bon exemple qui bien c'est pas vous. T'es gon route pour magistrat fait, qu'on est là, l'est allé, yo dit que faut qu'il fait appel d'offre, faut venir étudier, faut faire calcul. Et l'est demandé combien de temps calcul bail ça qu'apprend. Son bail qui apprend 2 à 3 ans, il dit mais c'est m'a fait mandat, n'a pas fait rien comme route. Et puis, monsieur dit qu'il a dit, qu'on a fait, m'a fait route là. L'aime fin fait route là, m'a voyé tout papier au bas nous, si m'a gagné à mettre dans prison. Et il l'a fait. Donc l'État même gen un gens que l'État a constitué, gon gens non de manière normative que l'État a monté, dans structure l'État son modèle de blocage. Je dis à vous avez la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Moi même t'a souhaité que faut aller regarder et faut gon émission sur question ça. Invitez au venir parce que gen pile bagay k'ap di jodi là. Tout dossier que vous voyez bay ministère et la Cour dans question et attribution de contrôle. Donc je dis ah, c'est un instant je dis que qui pas très catholique. Mais quoi? Qui pas très catholique? Mandal fini ou est-ce que non mais moi prends. Sorti prolongation au Bali. Oui mais m'apprends la cour de manière globale. On nous prend par exemple je dis l'on prend par exemple ULCC par exemple. Est-ce qu'on a pas qui est ULCC? Est-ce qu'on a pas qui est ULCC? Pas de directeur ou bien? Non et structure la même.
direction ça. C'est en bas, donc et ministère et économie et finance que lié. On t'a dit ministère finance avec économie que là. Non mais bon moto, non les la fait des bagailles, les la fait des bagailles, il y a pas d'accord. Et si ministère ça lui même lui dans corruption, dans vagabondage, qu'est-ce qu'a fait enquête sur lui? Je dois faire nous poser vrai problème pays a. Donc ULCC devrait être une instance indépendante, permanente et indépendante, et elle doit avoir une propre structure de manière indépendante. Il faut un budget. Oui, non, il faut un budget séparé de l'État, oui, oui, et un budget indépendant. Donc, ça veut dire nous montons un paquet de structures dans le pays de bluff. Nous disons que nous voulons faire justice, nous voulons faire enquête, mais nous connaissons les bagages téléguidés qu'on a fait. Parce que il doit avoir un mandat. Donc, les gens qui nommé en dans ULCCA, par exemple, il doit avoir un mandat de 7 ans, de 9 ans. Que l'elvini, c'est pas chaque monde qui vini, yo changer ça. Ça vini, il changer ça. Il vini avec Tigoupal. Ça vini. Moi je pense que il faut repenser la structure de fonctionnement de l'État aujourd'hui parce que il pas bail résultat et il pas bail résultat. Bon et États-Unis contre bon j'ai celui. Bon, là moi je pense. Et bon, son bagage grave, ça m'a dit là. M'a prêtre là. C'est vérité. M'a prêtre là. C'est vérité que États-Unis contre gagne 11 celui. Pas le même faire ou même qui fait politique ou la social ou la toute bagaille qui ça pour nous faire pour nous sortir là ça n'est là parce que ça n'est là nous venons pas quelqu'un qui va à l'école pas quelqu'un qui lit on paye les la crise d'abord c'est dans l'université y aller pour chercher idée pas rien ça en Haïti je pas chercher idée en Haïti on paye élite qui fait politique là dedans pour accéder à un high class ouais. Au niveau d'études. C'est élite. Yeah. C'est des bon, en Haïti, il y a plein de monde qui fait politique qui vient loin, c'est Coco Atoué. Ouais. Qui compte dans ce pays, ça capable de sortir l'engrenage et piège ça qu'il prend. Et premièrement, il faut nous regarder, il y a plusieurs modèles et des pays qui étaient dans la situation ça et qui sortent. Et ils sont sortis après un pile goumé. Et nous parlons prendre un pays qui semble avec nous, qui passe la même situation péripétie, ça y est, son pays est au Sénégal. Et comment Sénégal est sorti, bien que je dis à un autre modèle de blocage, c'est que vous rendez compte que l'Occident mettait pied sous coup pays Sénégal pendant un bon temps. Et le tout dernier, c'était avec Macky Sall, qui était un modèle de Saval, de Macron, de la France et de l'Occident. Au compte ça, d'abord, la jeunesse sénégalaise, ils ont adressé à la diaspora sénégalaise qui arrivait, réunie, ils ont ramassé plus que demi milliard de dollars. Ils ont investi dans la jeunesse sénégalaise, ils ont créé une masse critique et ils ont dit, nous n'avons pas besoin de goûter avec l'Occident dans le niveau que nous avons goûter aujourd'hui. Ils ont fait des groupes, ils allaient dans l'université, ils allaient dans l'école, ils allaient dans le lycée, et ils arrivaient faire des groupes de jeunes prennent conscience de pays ça qui relie Sénégal. Et au cours de chemin, ils ont gardé parmi tout projet qui est là, le projet politique, le projet de Pastel, c'était le projet qui était paraît plus fiable avec Ousmane Sanko. Ok? Yo dit yo pral supporter ce projet mais sans être très bien oui c'est comme si sans être partisan de Sanko nous pral supporter un projet parce que nous c'est lui même qui paraît plus viable et yo investi yo bay le compte ça pas arrivé là yo pral gagner élection à 56% dès le premier tour yo jeté Macky Sall ça c'est une possibilité mais grand pile l'autre possibilité mais grand élément qui est très important dans la question Sénégal là ou après que dans le projet, il n'y a pas de bail Sanko et pouvoir, parce que pouvoir y aller, non? Il aurait été là comme avant-gardiste, comme vigile. Oui. Ça, deux premières décisions que vous prenez, non, attention. Et pas de sorte, dis-nous. Nous-mêmes, nous sommes dans ici, nous faisons 90, et comme si le peuple a réuni le bail pouvoir en groupe de monde, et puis la chita la kaili la l'albouet du vin, non? C'est pour nous monter un projet pour nous rapatrier notre souveraineté à travers ça m'était capable les une entente sociale inclusive. OK, une entente sociale inclusive tout le monde là-dedans et inclusive ça me dit socialement
inclusive et politiquement juste et solidaire. Ça veut dire nous pas quatre d'accord que je dis pour gagner 90 à 95% de monde dans le pays, c'est des monde qui pauvres. Et puis, il y a un petit clic de monde dans le secteur économique là, et dans le secteur politique là, qui est riche. C'est inacceptable. Donc maintenant, je pense que ça c'est un modèle pour nous garder. Mais il y a l'autre modèle pour nous garder aujourd'hui là, des sociétés qui sont passées en des situations qui sont. Mais de tout cela, il faut nous partir d'une prise de conscience que ça n'est trop. Que ça pas qu'à continuer sous coffre l'estomac pays. Faut nous accepter nous comme moun, si ça me relé. Il faut rétablir la souveraineté sociale. La souveraineté sociale là, c'est pour me d'accord aujourd'hui. Gen des bagay ou di Abdila, li gen doit attaquer monsieur le plan personnel, mais ça l'a dit son bon bagay pour pays. Donc des moun qui prend l'état en otage aujourd'hui là pour ti zanmi, ti fanmi, ti madame ni, ti ménage li, etc. Et puis, li mette l'état au service de ti clan. Et ma bon exemple pendant que vous avez des charges là, bah, tout monsieur ça aujourd'hui là, et que vous pas répondu par exemple, vous avez fait un là, vous avez chaque organisation qui signe, bah, ça, y a cherché ouais avec vous à pas. Donc vous là, si ce n'était pas comme division, si. Hein? Ça, hein? Y a pris en division. Non, c'est pas seulement division. Nous nous payons des vulnérables, de grandes vulnérabilités. Donc même pensez, une bagaille pour nous faire une prise de conscience. Sociétal qui doit fait pour nous dire nous pas qu'à descendre plus bas que ça nous est là. Ou dit nous pas qu'à descendre plus bas et de prise de conscience faut nous suspendre ça me la polarisation. Moi je suis pas dans la polarisation. La polarisation est comme si on dit de pour dire tel groupe les c'est volé. Moi même je dis et m'a répété. Quand tu as des gars qui disent les deux par exemple PHTK c'est volé par exemple. Moi dis oui. Ka gen volé dans PHTK mais c'est pas tout le monde dans PHTK qui vole. Yo di dans cet état yo di Lavalas c'est volé. Moi dit oui, ka gen mauvais monde dans Lavalas. Mais c'est pas tout monde dans Lavalas qui volé. Donc je dis en nous d'accord pour nous mettre un projet pour nous prendre en aller chercher monde qui correct yo. En aller chercher monde parce que je dis à couvrir le coupable, il y a un paquet de bon monde là-dedans. Et me toujours dit ça. Là pour monde takou Hugues Saint-Pierre par exemple, ancien et me t'es capable dire et président cour d'appel des Gonaïves qui était capable de dire responsable université et université Gonaïve doit Gonaïve. Mais ça c'est un monde correct, mais société a tué. Là pour monde m'a rappelé nous ça parce que nous avons tendance pour que n'a chercher vacabon nous pas chercher bon monde. Ou soit ça qui arrivé avec Akinois qui juge et comme il est Castor et Castor Gabriel Castor qui était juge à la cour d'appel quand il était question de trancher sur le dossier qui était opposé au PL avec président Prival qui position que l'ité prend. À 97. Ah ouais. Donc pays a des moun. Donc l'on parle de justice là, c'est vrai qu'il y a un pile vagabondage dans justice là, mais qu'il y a des moun qui marquent passage dans justice là, moi je pense qu'il y a un bilan qui doit être fait, gagner un recensement qui doit être fait de moun sérieux dans pays là. Pour nous commencer à mettre monde sérieux sur le registre, parce que parfois, ce que nous critiquons vagabond, nous chassons vagabond, nous ne prenons pas le temps qu'il faut pour que nous cherchions des gens dans la société qui ont un minimum de bon sens, qui ont un minimum d'authenticité, qui ont un minimum d'amour pour ce pays. Mais il faut penser maintenant. Nous allons finir parce que nous avons gagné plus que nous temps. Si on dit assez peu, mais plus que nous avons levé à parler de nous, par exemple, ni moi ni vous, nous ne sommes pas d'accord, j'ai un CP à monter là. Mais qui ça nous a fait? Parce que même mise internationale là sur lui, et que moun sa me met d'accord que c'est international là qui a mené. Laisse ça une faible moi-même. Pas d'accord. C'est pas que tu combat qu'on mène pour ça pas de fait. Et oui, mais écoutez, moi oui, bon m'expliquer. Moi me penser là, faut nous garder et c'est ça fait à la tête que moi-même pas de la polarisation. Qui ça nous fait? Nous sommes victimes d'une polarisation, d'une division que monsieur et américain était dit nous donc diviser nous une contre l'autre etc. etc. Et nous capable de cahier des charges ça, c'était expression pour nous mettre nous ensemble. Donc je dis doit qu'on mette ensemble qui doit faire. Donc là on fait par exemple référence à États-Unis. Oui. Mais je dis faut nous d'accord tout. Gon division interne nan mitan nou. Genye yon krasé nou chak ap essayer krasé l'autre. Par exemple, ou nèg di ou di et puis nèg la di ah, pou kipe ou di a son tiranseur. Ou di oui, ça veut dire un tiranseur. Parce que pour lui, pas le fait qu'on pas allié, pas le fort pas d'accord, mais jodi a société a dwe pran acte de so affaire là qui sont bagay extrêmement important mais qui extrêmement dangereux.
C'est extrêmement important. Donc société a doit endosser cette position, il doit accompagner cette position pour dire que c'est la voie revendicative que Oudi a fait jodi là, il était qu'à mettre là un paquet nèg dans média jodi là qui sous payroll dans tout ministère. Voilà. Donc moi-même moi tablé jodi là ULCC coup des comptes, comment ou capable endosser ou capable approuver des projets, des contrats avec, comme on était capable de dire, des stations de radio avec des mounes, des sommes faramineuses qui abaillent des mounes sans aucune justification dans la presse là. Et moun sa yo, je dis là, les gouvernements sa yo rale pipi sou, y a pipi sou moun, yo di population c'est la pli kap tombe. Ah oui. Donc moi même moi pense que gongoumé qui doit fait avec nous et pour que nous d'abord fonti rapprochement et que avec faible reste qui était dans pays là pour nous identifier yo pour que nous réunis et puis tout grand problème parce que moi même qui parler là pas oublier m'a demandé population pardon sous ça m'a dit là m'a demandé tout le monde pardon m'a demandé pays pardon pas oublier que lors du secteur démocratique par exemple by des autres qui sont faites là c'est dans même pas là c'est problème peut-être que ou capable garder ça. Est-ce qu'on connaît c'est dans le bureau qui puis bas quand on était dans radio dans 40 dans 40 et 49 là c'est là nous t'es capable de dire idée ça vini que nous chita son table et majorité des idées qui là c'était moi-même nous t'es là mais nous t'es de bonne foi à l'époque bon parce que mon yo c'est fatra yo mais le pire de tout ça c'est quand il était question oui moi t'ai dit en nous monter une structure large avec les nouveaux leaders, avec les jeunes syndicalistes, avec les jeunes ouvriers, avec les jeunes travailleurs, avec monde qui dans société civile là pour nous monter. Et pas j'oublie ça, gonti hôtel dans tabac là, moi quoi Cristobal ou bail comme ça hôtel ça relé, te gon gros réunion qui fait là nous après-midi et ça m'a dit là et député Anel Belize capable servir témoin. Les nous venir inviter tout jeune leader qui gagnait. Et pas j'oublie là, gon monde qui là m'pa citer non li. Et puis monsieur vient reprocher. Il dit mais fanfan, garde manger fin cuite, nèg la après manger un paquet nèg pour séparer. Et me dit qu'est-ce qui manger en effet. Il dit le pouvoir n'a pas le pouvoir mon cher. Me dit en ça n'a fait là c'est pour le prendre pouvoir qui pouvoir. Et il passé là et malheureusement pour lui je dis oui, il passé. Il passé dans une illusion de pouvoir, il passé dans une illusion de pouvoir et je dis il pas passer dans la rue. Yeah, ouais. Li pa ka marcher dans la rue alors que son monde a un certain temps population était bien ouais et peut-être c'est là la douleur avec des groupes des fois ou prend des monde ou penser c'est des monde sérieux ou penser c'est des monde qui cap mener au goumé pour aller dans de un point A à un point Z et puis regarder au cours de la bataille où c'est des monde qui pas de profondeur qui pas de rien de authenticité c'était du bluff pur c'était regrettable. Mais Fofan, ça fait un pile plaisir que tu avec nous aujourd'hui. En pile cause parler. Moi très satisfait de passer dans l'émission aujourd'hui. Hein. C'est pas dernier, hein. C'est premier mais c'est pas dernier. Hein. Émission c'est ça nous voulons. Et m'espérer wow, on l'autre fois encore laisse ça parce que moi bon dossier. Laisse ça on va parler de l'autre sujet parce que on pas quatre bagarre pour parler. Oui, mais moi pas aller et ou dire ça que moi pas informer grand public là parce que en pile te supporter moi pour le dossier de Bessap. Hier, il y a eu une importante réunion avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur le dossier des assassinats des 5 agents de BESA. C'est pas plus que 5. Et oui, alors le plus, ça m'a parlé de ça que nous documenter. Vous connaissez moi-même, c'est qui très responsable. Donc, ça que nous documenter. Et réunion ça parce que vous songez que les bails ça fait une fête. Donc, l'État a été bloqué. Nous pas de capoter plainte dans le paquet. Nous pas de capoter plainte dans le cabinet de soutien. C'est le gouvernement qui va faire. Voilà, c'est le gouvernement qui va faire. Et le ça, intelligemment. Et pendant que nous avons ici, nous saisis la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et que nous recevons plein de nous. Hein, et hier, nous avons une réunion importante avec nous. Côté que nous posons certaines questions. Nous avons gagné des informations en plus que nous avons gagné. Et nous avons là, nous avons travaillé pour nous. Et que nous avons passé à des mesures conservatoires. Nous avons parlé des mesures conservatoires de parents, monde qui victimes, madame, petite, famille, etc. etc. Mais aussi, gagné des protections qui doivent à des témoins. Qui là qui te connaît ça qui passe yo et aussi à ensemble avocat nous même avocat qui a mené et procès ça donc pour les 5 agents de BESAP absolument que ce soit ici
que ce soit à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, moi convaincu, moi déterminé pour que il y ait un procès dans un premier temps pour nous clarifier que nous connaissons l'information déjà, pour nous clarifier pour la vérité blaye. Hein? Pour la vérité blaye sur ça. Pour la vérité blaye sur qui Jean que le gouvernement d'Ariel Henry les concordé avec une série de monde que moi pas qu'à citer non yo là pour que yo t'ai assassiné agent Bisapio dans l'idée pour yo t'ai kembé ça yo penser qui relait pouvoir. Donc là, on te tient à ce que faut que moi annoncer grand public là et gagner une conférence de presse qu'à bail demain pour que avec parents yo, avec famille yo et quoi c'est dans high class ça dans Catalpad 2A pour que nous bail les détails donc de cette rencontre et les perspectives que qui va engager donc dans le cadre de démarche qu'a fait pour que nous aider famille Mounsayo et famille Bessap de manière générale. Toute la famille Bessap, l'aime dit famille Bessap, agent Bessap, famille Bessap et toute Bessap planète pour que nous baillons justice et parce que nous estimons que c'est un bagage qui était très dur pour le pays lorsque Ariel Henry, avec le gouvernement, avec tout le monde qui participe dans le crime, a décidé d'assassiner donc agent Sayo qui seulement gagne là-dedans, qui était sorti pour Port-au-Prince, qui pourrait aller dans Port-au-Prince à 15 ans. C'est une situation qui est extrêmement difficile et dans la coïncidence, et nous sommes capables de dire que. Et quatre autres agents qui ont été arrêtés qui dans le DCPJ ont eu une entente avec, non, au premier temps, avec Parquet, après ont été libérés et ont eu un couple qui fait, donc ils ont voyé le dossier dans le cabinet d'instruction, donc pour être capable de faire nous perdre du temps. Mais de tout cela, nous croyons que nous sommes bonne voie, nous avons goûté pour les gens qui sont là avec nous pour que nous jouions justice. Et je suis très déçu que c'est peut-être qu'il a, qu'il y a des gens qui bénéficient de pouvoir. Goumé agent Bessapio nous voyons document nous poser problème Bessap là tout dans dossier ça yo pas même yo pas youn là dedans pas lever le petit doigt donc pour les agents qui sont ça arrêté ça qui arrêté ça qui assassiné petit agent ça qui dans la rue même youn là dedans pas lever petit doigt pour mon ça. En tout cas moi là ou dit bataille a continuer et moi même moi baï tête moi comme un serviteur de la République comme un monde qui mettait au service de ce peuple et qui que un pays qui investit en pile bagaille dans moi ou dit et je dis grand pile bagaille pour Haïti. Merci.